souvent sur le clavier. Mon doigt fourche. Heureusement, je me redis, il faut que je corrige. Sinon, mon texte ne parlerait pas d'un artiste, mais d'un ratiste qui montre des œuvres dans une galère. Comme là, machinalement, avant de cliquer sur « Enregistrer », je me relis et je marche arrière. Clic, efface, corrige. Sinon, j'écris ceci. « Monsieur Z, un excellent ratiste, expose dans la nouvelle galère. On peut constater le vide dans les lieux des rats plastiques. » Et qu'il n'y a plus cet engouement qu'il y avait encore dans les années 70-80 en rats contemporains. Le pire, c'est dans les écoles rats. On doit mettre des mots pour tout dire, vendre ce qu'on dit, dire ce qu'on vend, mémoire de dossier. Dire tout de go, même ce qu'on ne sait pas encore nommer, qu'on ne sait pas nommer puisqu'on le cherche, et que le nom viendra de l'absence de vision d'un moment. Il faut du temps pour penser. Essayer, se tromper, stagner. Alors, les jeunes futurs ratistes parlent bien, comme s'ils étaient nés ratistes. Alors que moi, j'écris de plus en plus en dilettante. J'ai la palme de la bricole. Oui, j'écris mal les mots, avec des lettres qui sautent. Je me prends les pieds dedans, ou mots qui tremblent, titubent, qui fuient, dérapent sur le tapis de mes limites, comme quand j'ai peur. Mon cœur. Le travail, d'abord, on essaie avec la peur de ne pas le trouver. Et lorsqu'on l'avait trouvé, on grandissait avec la peur de le perdre, on disait toujours « Oui, monsieur, au patron ». Mais dans la tête, on lui enlevait sa majuscule, il pouvait mal nous parler, nous demander n'importe quoi, nous reprocher tout et rien, avoir des états d'âme, on se taisait jusqu'au soir, ou à la maison, avant d'aller se coucher, fallait bien crier un peu pour tout et rien, claquer la porte sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je sais qu'un texte est terminé quand il est à bout et qu'il me repousse. Je ne peux plus l'approcher comme s'il me criait « Va voir ailleurs ». C'est-à-dire que le travail était la seule valeur. On n'avait pas le temps de l'étudier. On ne pouvait pas passer son temps pour rien en études. Le travail, il fallait l'apprendre vite sur le tas. Comme on dit, le tas de quoi, il fallait en prendre un, même si ce n'était pas une passion. La passion, c'était pour le verbe « travailler », mais pas pour le verbe « la passion », c'était bonus. Si on avait de la chance ou le temps de la chercher, on pouvait avoir des tics, des cauchemars, pleurer, des joies à raconter, mais comme ça ne se voyait pas, alors ça n'existait pas. Et tant qu'on aurait du travail, tout irait bien. Et tout allait bien, disait-on. On était au bord de le penser, et tout allait bien, puisqu'on n'avait pas le temps de se poser des questions, ni de se regarder, et les autres encore moins. Anti-tout. J'ai tant connu d'anti-tout. Anti-voiture, anti-répondeur, anti-portable, anti-ordinateur, anti-mail, anti-jeux vidéo, anti-art contemporain, anti-Nutella, anti-rouge à lèvres, anti-alcool, anti-tabac, anti-baise, anti-je t'aime, anti-jeu sport, anti-intellectuel, anti-chanson populaire, anti-foot, et j'en saute. Comme autant de moutons qui, dans leur troupeau, ont une brebis anti-nucléaire qui suce des noyaux d'olive et qui s'appelle Sophie. La société. On est un grand nombre dans la ferme avec la basse-cour. Et si on en sort ces fermes-là, la société. On est un grand nombre dans la ferme avec la basse-cour. Et si on en sort ces fermes-là. Et moi, le perroquet aussi. Mmh.
Bref, dans le berceau, bébé bougeait trop, c'était pas bon pour ses oreilles qui se repliaient sur elles-mêmes, bloquées contre l'oreiller. Un problème pour la mère, les fixer avec du sparadrap contre son crâne. Bébé avait les oreilles un peu décollées. À l'époque, on trouvait ça pas beau, surtout pour une bambola, bambina bimba bambolina, qui ne serait jamais una bomba. Dans le berceau, bébé bougeait trop, on n'arrivait pas à bout de ces feuilles de chou qu'on voulait, pétales de rose. Pas à bout de ce jumbo qui ne serait jamais Bambi. Je vais noyer l'eau et voler le ciel sur mon bateau. J'arrive pas à atterrir avec mon bateau, je touche des sommets dans le fond. La vie des fois comme un concours. Faut pas toujours râler, mais faut toujours aller. Dans le train, en direction de Vintimille, là où on allait chercher du parmesan et des alcools et des amaretis, je repasse. La dernière fois où tu étais assis à côté de moi, on allait descendre à Monaco, voir Picasso au Grimaldi Forum. On comptait les ferries et les voiles de Villefranche, avant les yachts noirs et blancs. Je repasse en me disant que je ressasse et que les voiliers qui amarrent mon regard ont des yeux avec les couleurs de toi. Parc naturel Estiendorf, des voix comme des balles lancées dans l'herbe, des bâtons en l'air, des appels autoritaires, assis, couchés, aux pieds, Blackie, Eden, Noisette, Dingo, cerise. Cette cerise doit être une femelle, sinon on l'appellerait cerisier ou bigarot. Pourquoi tu dis astag à la place de dièse? Pourquoi tu dis hôtesse de caisse à la place de caissière? Pourquoi tu dis hâte à la place de arrobase? Pourquoi tu dis grave à la place de vachement? Pourquoi tu dis et à la place d'esperluette? Pourquoi tu dis technicienne de surface à la place de femme de ménage? Pourquoi tu dis gardienne à la place de concierge? Pourquoi tu dis SDF à la place de clochard? Pourquoi tu dis travailleur à la place de prolo? Pourquoi tu dis bobo à la place de bourgeois de gauche? Pourquoi tu dis assistante maternelle à la place de nounou? Un souffleur de feuilles. Ça pourrait faire un bon titre de conte pour enfants dans un pays nordique. Mais c'est le type dans ma rue en bas qui fait des nuages avec un moteur et la poussière. Au début, le débit est bas, ça bouche. Le débit du débat qui debout la vue, du coup de la bouche, j'ai pas des combats par la route en bas. Faut toujours que tu finisses mes phrases à ma place, les mots que tu crois que je vais dire, comme si je pensais ce que tu penses ou tu pensais ce que je pense dire. Je me pose des questions, que tu termines mes questions, mais dans mes réponses. De bon matin, batterie du téléphone à plat, voiture en panne, casser un verre en faisant la vaisselle, l'ordinateur bug, à plat, en panne, bugué, cassé, tout se met donc à m'imiter ce matin. Même le chat est aux abois. Ce soir, il fera jour. Et demain, il fera nuit. Pour faire taire nos peurs, faut-il des peurs plus grandes qu'elles? Pour rester à peu près en forme. Je lis à peu près pour m'endormir à peu près.
Quand je ne sors pas très loin pour rester à peu près de chez moi, ce qui me permet d'écrire à peu près des choses à peu près bien écrites. Je ne peux pas faire l'amour à peu près quoi que je sache faire, un peu de choses près, et de ça je ne peux parler ni à peu près, ni totalement. J'appelle un peu mes amis pour voir à peu près tout le monde, un peu. Je fais à peu près tout au mieux pour que finalement, la seule chose que je fasse parfaitement, c'est de tout faire à peu près parfaitement.